Hi besties! Bienvenue sur mon weekly vlog! Holy moly! I hope you guys are going well. Alors, je vais m'asseoir un peu ici dans mon salon parce que ça me tente. Donc, hi! J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de m'asseoir ici parce que I just love this little corner of my house. Puis ouais, je vais juste souhaiter une bonne année 2022. On essaie de rester le plus positif qu'on peut. En fait, moi, je me dis toujours, puis c'est comme un peu ça mon genre where my headspace is at. Tout ce que je peux contrôler, c'est comme mes émotions puis comment je me sens. Puis c'est comme le seul contrôle que j'ai, c'est my own self. Puis mon anxiété était vraiment through the roof. Genre 2022 a commencé avec énormément de stress. Puis je me suis rendu compte que c'est parce que je me laissais peut-être un peu trop influencer par que je regardais les nouvelles. Fait que j'ai commencé à juste plus tant regarder les stories des gens, puis à part les gens que je sais que leur story c'est comme vraiment pleasing for me and calming for me. Ouh, tu sais, c'est déjà comme assez lourd des fois juste gérer notre propre personne. Fait qu'on dirait je suis comme ça a comme été un peu difficile honnêtement, surtout avec l'anxiété de comme le mariage, l'inconnu, tout ça, tu sais, c'est sûr que c'est une période moins facile pour tout le monde, puis juste que sachez que moi aussi I feel like shit some days. Puis je fais juste pas vlogger dans ce temps-là. J'essaie de pas trop poster dans ce temps-là. J'essaie de recharge my battery, clean the house. Ça me fait toujours sentir bien quand je fais du ménage, quand I kind of reset my environment. Ça me fait toujours sentir bien honnêtement. C'est comme un petit, j'ai comme une petite routine quand je fais de l'anxiété qui me fait sentir bien. Fait que je vais juste comme do self-care, workout, make myself a coffee, clean my house, read a book, call my mom. Tu sais, c'est tous ces trucs-là qui font que moi je me sens bien, puis ça me remet un peu ma balance, si on veut. J'ai comme commencé l'année un peu débalancée. C'est ça, comme je vous disais, avec tout ce qui est du mariage, le venue où on était supposé se marier est fermé en ce moment, complètement fermé. Fait que c'est comme hyper stressant parce que c'est ça, je suis dans l'attente, j'attends des nouvelles, si ça va rouvrir, j'en ai aucune espèce d'idée. Fait que c'est ça, je suis comme vraiment. Comme je vous disais, ça a été une période un peu plus stressante, mais cette nuit, je me suis couchée vraiment tôt, j'ai une bonne nuit de sommeil, puis moi, le sommeil, ça affecte vraiment toute mon vibe. Comme si je dors pas bien, je sais que ma journée is not gonna be good. Fait que j'ai bien dormi, je me suis entraînée ce matin, ça fait tellement du bien. Puis quand je m'entraîne, c'est ça, je vais vous dire, parce que j'ai reçu beaucoup cette question-là. When I work out, guys, je mets un speaker, puis je blast genre des OG throwbacks de Nicki Minaj ou genre de Rihanna, puis je chante les paroles, puis des fois, genre, je danse, mes bras ils dansent. Pendant que je fais mon cardio de 30 minutes en incline walk, je continue encore à faire ça d'ailleurs. Je gueule les paroles, genre je chante ma vie, c'est genre mon 30 minutes dans ma journée que j'ai du fun, que je danse, puis pour vrai ça change vraiment mon mood. Je l'ai fait ce matin puis I love it so much. Après ça j'ai fait un peu comme de poids puis un petit peu de full body, fait que j'ai fait comme un 1 heure workout ce matin puis ça m'a tellement fait sentir bien. Fait qu'on dirait que je veux commencer 2022 avec this mindset puis continuer à vous faire mes petits vlogs, vous montrer mon épicerie, vous montrer mes affaires. On a des rénaux cette semaine, j'ai tellement hâte de vous montrer ça, vous montrer un peu plus mes recettes aussi. Je vous ai demandé sur Insta qu'est-ce que vous aimez voir. Puis il y a beaucoup de monde qui aimait ça quand je vous montrais mes petites recettes. Mais ça c'est sûr que je vais faire ça. Puis c'est ça, dans le fond, on a les rénaux de ma pièce, enfin, slash future chambre de bébé, qui commence dans le fond cette semaine. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. J'ai commandé aussi des petits trucs pour compléter la pièce dans laquelle je suis, qui sont supposés arriver. Fait que je vais vous montrer des updates. You know, all the good stuff that we love in the vlog. Fait que j'ai juste que faire un petit rappel encore, même si je le dis souvent, mais it's a safe space for you guys. Vous êtes mes besties, puis je veux garder ça. T'sais, moi, c'est ce qui me fait du bien personnellement sur les réseaux. Fait que pourquoi pas continuer à faire ce qui nous fait du bien puis ce qui nous rend heureuse. Puis je sais que c'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui adorent suivre des pages qui sont plus comme des magazines de nouvelles, des pages plus activistes, des pages comme ça. Puis c'est vraiment correct. C'est pour moi, un influencer ou quelqu'un qui partage sa vie sur les réseaux, c'est comme un abonnement à un magazine. Genre tu t'abonnes au type de magazine que tu veux. Tu sais, il y a des influencers mettons qui sont vraiment plus fitness, il y en a qui sont plus beauty, il y en a qui sont plus comme je disais genre activistes qui vont vraiment prendre parole sur des sujets de l'actualité. Moi, c'est vraiment plus like the little lifestyle, blogger, fashion, un peu n'importe quoi. Mais vous savez, vous me connaissez, mais je pense que des fois on oublie que les réseaux sociaux c'est vraiment comme un magazine, puis tu peux te désabonner si ça te convient pas, ou tu peux suivre les gens que ça te convient, puis les gens que ça t'amène. Good and positive thoughts. Fact! Sur ce, c'est ça mon petit talk du début de vlog. Fait que let's get started with the week. J'ai pris le temps ce matin d'écrire dans mon 5 minute journal. J'ai enfin sauté sur le bandwagon. Je pense que ça fait vraiment longtemps que c'est sorti cette affaire-là. Je l'ai acheté au Renaud Bray. Il y a plein d'autres couleurs maintenant qui sont sorties aussi. Vous pouvez l'acheter un peu partout honnêtement. Ça s'appelle The 5 minute journal. J'ai toujours journal. Genre toute ma vie, j'ai toujours écrit. J'ai comme 8 journaux intimes de comme toute ma vie. J'ai toujours écrit dans mon journal. Puis
je continue à écrire, mettons, quand j'ai beaucoup d'anxiété, surtout, j'écris vraiment toutes mes émotions, vraiment comme en papier. Je peux écrire genre 5 pages des fois quand je dors pas. Parce que moi, mon anxiété, la première chose qui arrive, c'est que je dors pas. Je fais major insomnie. Puis, ce qui m'aide avec mon insomnie, c'est que des fois, il est genre 3 heures du matin, j'écris dans mon journal jusqu'à temps que je m'endorme. Fait que des fois, je peux écrire comme genre 10 pages, ok? Ça dépend des fois. Mais moi, c'est la première affaire. Puis après ça, dès que je dors mal, tout le reste est affecté, genre ma peau va moins bien, ça me tente de moins bien manger, ça me tente... C'est comme un cycle, ok? Puis moi, ça part vraiment, mon cycle part du sommeil. Puis maintenant que je le sais, j'ai comme certains outils que j'essaie d'incorporer. Maintenant, avant de me coucher, j'ai comme, j'écoute la playlist Spa de Apple Music, puis je mets un masque genre hydratant, puis j'essaie de comme vraiment me mettre in a zone de rejeter toute la négativité puis comme les mauvaises pensées que j'ai eues dans ma journée. Admettons que je suis anxieuse puis que je pense à mon wedding ou quelque chose comme ça, mais je me couche le soir puis je, comme mes rêves, je suis anxieuse dans mes rêves, fait que c'est pas un sommeil récupérateur quand genre tu fais des cauchemars puis tu rêves à comme ton anxiété. Je sais que ça a l'air un peu bizarre du même, mais je vous jure que moi, pour bien dormir, il faut vraiment que je clear my mind. Faut pas que je pense à rien ou que j'essaie de penser à comme l'océan ou j'essaie d'écouter des sons comme la forêt ou tu sais des musiques justement qui m'amènent ailleurs pour un peu m'évader, si on veut, de comme everything that is going on. Puis j'en parle pas vraiment beaucoup comme sur ma page, mais you guys know, tu sais, moi, mon fiancé, c'est un docteur. Il est médecin, il a commencé à travailler pendant la pandémie en plus. Il a fini son doctorat, dans le fond, il a fini son internat puis son doctorat. Fait que tu fais comme 5 ans internat, doctorat, puis tu deviens résident, il a fini en 2020. Fait que vraiment en plein dans toute cette belle situation-là. Fait que c'est sûr que pour nous aussi, pour Gab et moi, ben on essaie vraiment de, comme quand on est ensemble le soir, de focusser sur faire des petites recettes, lire nos livres, puis essayer de passer des bons moments ensemble, puis laisser le stress de la journée à l'extérieur de notre petit cocoon d'amour. Fait que, je sais pas si ça peut vous aider. Pour vrai, je sais vraiment pas qu'est-ce que je dis tellement n'importe quoi. Je fais juste vous parler comme si je FaceTimerais une de mes amies, de genre my feelings and my emotions. Mais c'est ça, aujourd'hui, it's a good day. Now, let's get to the grocery store. Puis on se rejase. Hey, quick little grocery. Ben comme vous savez, en fait, mes épiceries sont jamais tant grosses parce que j'ai Chef Cook Kit. Fait que c'est vraiment pour comme compléter le reste, rajouter des trucs qui manquent. Donc c'est vraiment pour compléter le reste, compléter les trucs qui manquent. Puis j'ai été faire l'épicerie ce week-end. Fait qu'il me reste encore des affaires de ma dernière épicerie. Fait que, bref, tout ça pour vous dire, voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté du kale avec de la laitue. Puis je vais vous montrer comment je store mes trucs dans mon frigo. Je prends des ziplocs. En fond, je vais comme les rincer puis les mettre dans un papier. Oh my god, j'ai tellement hâte de faire mes ongles de main, guys. Oh my, it's hurt. Fait que, en tout cas, ça pour vous dire que je les store dans des ziplocs puis ça resterait plus longtemps. J'ai acheté, ça c'est les pâtes sans gluten que j'achète toujours, puis je prends ceux qui sont comme en rabais. J'ai pris les best bagels, c'est ces bagels-là ou ceux du Costco. C'est genre les meilleurs. Fait que c'est comme les bagels avec plein de sésame de même, là. So good. J'ai pris des pois, des radis, concombres pour compléter un peu les légumes que j'avais parce que je vais me faire une salade. C'est genre les best pretzels que tu trempes dans du hummus. Ça, c'est pour Gab. He loves that stuff. Je voulais essayer le popcorn au caramel. J'ai aussi acheté des petits chocolats comme ça pour comme me faire un petit truc sucré. Comme tous les jours, j'ai besoin d'un petit peu de sucre après mon souper. Je sais pas pour vous, mais comme même si je mange juste 3 chocolats de même, j'ai besoin d'un petit peu de sucre. Fait que j'aime ça acheter des petits trucs comme ça pour juste snack a bit on it. J'ai acheté des bortons pour Gab, puis ça c'était en solde, ok? Puis c'est tellement taste. À chaque fois que je vois que ça tombe en solde, j'en achète puis j'en mets dans mon congélateur au garage. So good. C'est les boulettes comme au Ikea. J'ai racheté des lentilles parce qu'on en avait plus pour... dans le fond, j'ai comme vraiment tout fait mon inventaire avant d'aller faire mon épicerie. Chose que souvent, je fais pas. Puis là, j'ai vraiment comme tout nettoyé, le garde-manger, fait l'inventaire de ce qui manquait. Tu sais, j'ai comme vraiment encore beaucoup de snacks là. J'ai 4 bols comme ça avec plein de snacks pour les lunchs à Gab, comme vous pouvez voir. Puis j'essaie vraiment de garder tout organisé. Fait que là, dans le fond, dans mes canettes, j'avais plus de... dans tout mon canage, en fait, là, j'avais plus de lentilles. Il me restait juste ça. Fait que là, j'en ai racheté d'autres. Mais tu sais, j'essaie d'y aller vraiment avec qu'est-ce que j'ai, puis manger ce que j'ai. Parce que je me rends compte souvent que j'achetais des affaires, mais finalement, j'en ai. Fait que là, j'ai fait un gros ménage du garde-manger, comme vous pouvez voir. Look so clean. Puis je sais ce que j'ai. Donc, c'est pour ça que j'ai pas overbuy. J'ai tout le temps mes recettes cookies ici. Comme ça, je sais ce que j'ai. Je vais vous donner une suggestion de recette si jamais vous avez des restants dans votre frigo. Il me restait du riz, puis j'allais perdre mes piments. Donc, ce que je fais, c'est que je fais comme un riz aux légumes. Je mets le restant de riz que j'avais dans une poêle avec, ça c'est des lentilles, fait qu'une canne de lentilles. Je mets mes piments, un oignon rouge. Ensuite de ça, je vais juste badigeonner avec un peu d'épices végétales. Eux autres, je les achète au Costco, je les adore. Un petit peu d'huile d'olive, également celle du Costco que je vous montre souvent dans mes hauls. On va manger ça dans un bol, puis il me reste... J'avais comme des leftovers.
leftovers de patates douces que j'avais faites dans la poêle avec des choux-fleurs. Fait qu'on va comme se faire un bol végé. C'est full bon, full santé, plein de légumes. Ça te remplit vraiment avec le riz et les lentilles. Là, pour elle, moi, regarde, ça nous bourre. Puis sur le top, souvent, on se met un peu de crème sure. Voici le résultat. Tout ça, c'est fait avec des leftovers. J'ai mis la crème sure. Ça, c'est des patates douces que j'avais faites avec des choux-fleurs. En dessous, il y a mon riz, mes petits pains pita. Et voilà mon dîner. Ok, je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire à souper. Ça va vous donner une idée d'une de mes recettes que je fais. Quand je cuisine, pour vrai, des fois, je me sens comme weird de vous montrer ce que je fais parce que j'aime ça bien manger, mais pas compliqué. Des mini poivrons, c'est des petits poivrons genre gros comme ça. Des champignons. Là-dedans, j'ai de la crème avec du pesto rouge, puis je vais mettre du parmesan également. Je sais, c'est les épices qui sauvent ma vie, ok? Fait que, dans le fond, j'ai pris deux poitrines de poulet, tu mets de l'huile d'olive, ça, that's it, that's all, ok? Au four 350. Là, j'ai mes pâtes. Une fois que mes pâtes sont cuites, je vais utiliser le même chaudron parce qu'on essaie d'économiser la vaisselle. Puis je vais mettre dans ce chaudron-là, dans le fond, mes légumes qui sont là. Je vais juste badigeonner un peu d'huile d'olive, les faire griller un petit peu. Après ça, je vais remettre les pâtes là-dedans, mettre la sauce à l'intérieur, tout bien mélanger ensemble. Après ça, dans un bol, il va y avoir les pâtes sur le bas. Puis je vais couper vraiment tout le poulet comme en belles petites tranches, puis les mettre sur le top, puis peut-être drizzle un petit peu d'autres fromages par-dessus avec salé pois, et ça va être full bon. Donc j'ai tranché la poitrine de poulet, puis je l'ai mis sur le top des pâtes. And it looks so yummy, puis c'est vraiment bon. Ok, besties, je viens de commander pour la première fois de ma vie. Je me suis acheté des souliers sur le site Dolls Kill. Je sais pas si vous connaissez ça, mais moi j'ai vu plein de filles sur Instagram en parler comme des filles des States. J'ai dû payer 30$ de frais de douane, fait que soyez au courant si jamais vous commandez de eux. Mais en fait, je me cherchais des big ass chunky heels, ok? Je sais que c'est genre vraiment à la mode en ce moment, puis je me cherchais des heels pas chers, de qualité. Et oh my god, they are serving. C'est genre, je sais pas si vous avez vu ces souliers-là un peu partout, genre Versace, on a fait des similaires vraiment chunky. Puis ça faisait longtemps que je m'en cherchais pour mettre avec des collants, pour mettre éventuellement si un jour, genre, restaurants are open again. Là, je suis en lockdown, fait que legit, ça va servir pas à grand-chose à part peut-être faire des photos chez nous, mais oh my god, j'ai tellement hâte de les essayer. J'ai pris des noirs. J'ai pris des blancs pour genre my bachelorette. Je voulais faire comme des photos avec, tu sais, des mini-robes, genre big-ass heels. J'ai legit rien de cette couleur-là, mais j'ai trouvé tellement beau. Je pensais peut-être qu'avec une robe rose, ça serait vraiment cute. I tried on the black. Oh my god, c'est exactement ce que je cherchais. Ça me fait vraiment penser au Yves Saint Laurent. J'ai failli acheter les Yves Saint Laurent. Comme Yves Saint Laurent en fond comme ça, Versace en fond, des, un peu le même vibe. Puis j'en cherchais des vraiment pas chers. Go on it, besties! Je vais les linker en bas, je vais vous les voler. I'm obsessed, they're so comfy, mais ils sont vraiment hauts, là. Genre, be ready to faire attention pour pas se fouler une cheville, mais vous voyez que c'est vraiment compensé, fait que t'as pas le pied, genre le pied est vraiment confortable. Je voulais vous montrer mes ongles. Ça, c'est genre my go-to nail. Je vais au salon L'Atelier à Montréal, and I just love it so much. C'est comme un petit pink. Good. Fait que je vais vous montrer, puis j'ai même fait my pedicure. It's a little pink. C'est mon fun quand une fresh mani pedi, mais je voulais vous montrer l'update of this room, ok? First of all, comme vous pouvez voir, on a commencé à faire les moulures pour encastrer ce meuble-là. Puis ici, on a enfin mes belles poignées gold. So excited about that. Puis là, ici, on a commencé la structure, en fait, de quoi que ça va avoir l'air. Ici, il va y avoir vraiment comme un arche pour cacher cette partie-là. Et ici, je vais avoir mes tablettes. Fait que je suis vraiment contente. On a commencé la structure. Puis j'ai une plug ici parce que je vais avoir un skincare fridge. Fait que ouais, je suis vraiment contente. On a mis la pole parce que je vais mettre du voilage. Ici, je vais avoir comme une table que j'ai vue du CB2 qui est trop belle. Je vais avoir un pouf en plein milieu probablement. Ici, je vais avoir un nouveau rack à linge. Fait que j'ai vraiment hâte de comme tout transformer cette pièce-là. Le miroir va aller ici. Puis je vais peut-être mettre une luminaire aussi. Fait que ça va vraiment changer le look. I'm so excited about that. Puis j'ai fini de travailler. Ma table à make-up est rendue dans ma chambre temporairement juste parce que il y a les petits traîneaux dans mon autre pièce. Fait que là, j'ai fini de travailler. Je vais juste me repoudrer un peu parce que I was a bit oily. Je vais vous dire. Je suis vraiment excitée. Dans le fond, j'étais très très anxieuse par rapport au wedding, par rapport à mon venue. Parce que dans le fond, mon venue est complètement fermé. Puis, je vais vous en donner un peu plus de détails dans le wedding series, parce que je vais pouvoir parler un peu plus en détail, mais c'est juste fermé. La place que j'ai a seulement des permis banquets. Moi, je savais pas tout ça, qu'il y a des places, excusez, je viens de me mettre
de quoi de blanc dans les cheveux. Tu sais, il y a des places qui ont des permis banquet, puis il y a des places qui ont des permis restaurant, puis il y a des places qui ont même des permis église, OK? Fait que ça dépend, il y a vraiment beaucoup de sortes de permis. Puis les règles en ce moment pour les mariages, c'est les mêmes règles que l'été passé, c'est-à-dire c'est comme les règles les plus strictes. Puis c'est 25 personnes en dedans, 50 personnes dehors ou 50% de la capacité du restaurant quand les restaurants vont ouvrir. J'ose espérer qu'ils vont ouvrir au mois de mai comme l'année passée, on croise les doigts, mais c'est ça en ce moment. Puis il y a les restrictions pour les églises, les places avec permis église. Puis c'était vraiment mon premier choix, mon choix numéro un pour notre wedding. Puis c'est ça, je vais plus en parler pendant le wedding series, mais juste faire un update parce que j'ai un épisode de wedding series qui s'en vient vraiment bientôt. Je pense que même après ce vlog là, ça va peut-être être le wedding series. Mais dans le fond, c'est ça, c'était vraiment comme, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais comme ok, mon mariage pourra pas arriver, comme it's just not happening for me, genre 25 personnes pour moi, c'est comme ça marche pas, puis où est-ce que je me marie, ils peuvent même pas faire 50 personnes dehors parce qu'il y avait pas les structures pour host dehors. Moi c'était comme, ça fonctionnait juste pas, le mariage tombait à l'eau, grosse panique. Puis je me suis mis à écrire à plein de ça. Puis là j'étais comme ok, je m'en fous, je m'en fous que ce soit même laid. Peut-être pas, mais j'étais comme juste écrire partout. Évidemment, toute la saison 2022 est bookée. Fait qu'il me dit, ben là, mes mariages sont bookés pour 2022, je te reviens s'il y a une cancellation. M'appelle tantôt, guys, pour me dire qu'il y a une mariée qui a cancellé son mariage le jour même de mon mariage. Le même samedi, le même week-end, la même journée. C'est quoi les chances? Et ce qu'il me disait, c'est que eux justement, ont un permis resto et un permis église. Ils ont les deux. Et dans le fond, pour les restaurants, ben c'est 50% de la capacité. Fait que la mariée, elle en tant que telle, la salle que moi j'ai, c'est une salle pour 300 personnes. Mais là, c'est 150 personnes. Mais moi, ça tombe vraiment bien parce que c'est pas mal ça le nombre de personnes que j'avais en tête pour notre mariage. Fait que c'est juste comme perfect. Puis il y a l'option extérieure. Il y a vraiment comme, vraiment littéralement, là, tout ce que je voulais en termes de critères de base est possible là-bas. It was just so meant to be, guys. Fait que je vais vous en parler un peu plus. Je vous laisse là-dessus. Je vais pas trop en jaser ici parce que je vais aller plus en détail dans le prochain wedding episode. Mais c'est ça. J'ai let go beaucoup de critères, comme je vous disais, tu sais. Puis je me suis dit, fuck it. Moi, je veux me marier no matter what. Désolé du gros mot, mais comme, je m'en fous. Je veux juste me marier. Je veux une place où je peux me marier. Puis je suis rendue que j'ai vraiment let go sur beaucoup d'affaires. Puis on dirait, tu sais, j'ai parlé avec ma décoratrice. Puis j'étais comme, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette salle-là pour que ça soit un peu plus comme ma vision? Parce que souvent, les salles, tu sais, de réception, c'est ordinaire un peu, là. Tu sais, c'est pas comme autant extravaganza. Puis là, j'étais comme, let's go, on va mettre des cherry blossom tree dedans. Je m'en fous, comme, qu'est-ce qu'on met pour que ça rende ça comme je veux. Puis même chose, si c'est 100% dehors, comme, qu'est-ce qu'on fait pour pimper? Parce que je m'excuse, mais pour moi, à mes yeux, juste un chapiteau blanc, comme, j'ai besoin de pimper, là. On a besoin d'aller louer des arbres, des fleurs, je sais pas, tu sais. Fait que, j'étais comme, admettons que c'est juste dehors, justement, comment qu'on fait pour rendre l'espace à mon goût. Dieu est bon, pour vrai. Merci tellement, la vie. Je suis tellement contente. Si vous saviez, je ne dormais pas. J'arrêtais pas de pleurer parce que, écoutez, je sais qu'il y en a pour qui ça va être vraiment ridicule, mais moi, ça fait 11 ans que j'étais avec Gabriel. Ça va faire 11 ans cet été. J'ai toujours voulu mon mariage de princesse. Puis, en fait, je le voulais. Après ça, mes parents se sont divorcés, fait que mon rêve était comme un peu moins intense. Puis après ça, en rencontrant Gab, ben c'est comme revenu. Puis là, j'étais comme, ok, je veux vraiment mon mariage de rêve. Puis là, j'avais l'impression que tous mes rêves s'étaient effondrés. C'est sûr, si les restaurants réouvrent pas, ça va vraiment changer parce que là, ça va être en fonction plus de comme comment ça marche au niveau église. Mais je suis quand même vraiment confiante que les restaurants vont ouvrir au mois de mai, comme l'année passée. Fait que je reste vraiment positive par rapport à ça, puis que j'aurai le droit de mon 50 personnes capacité ou peut-être moins, tu sais, peut-être qu'ils vont comme mourir en deux temps, puis ça va être... Je m'en fous qu'on soit même 50 personnes, juste au moins que ça puisse arriver, je suis tellement contente, parce que comme je vous dis, l'autre, j'avais même pas 50 personnes, j'avais juste rien. Eux ont décidé, le venue que j'ai, que j'avais initialement, de juste fermer. Puis ça, c'est un choix d'entreprise, tu peux fermer tes portes si tu veux, puis après ça, les mariés, on est comme pognés, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que je suis vraiment contente d'avoir une place, de savoir que no matter what, qu'on soit 20, qu'on soit 50, peu importe, ça va avoir lieu. C'est ça. Let's get to the gym. Time to work out. Je vais faire mon petit incline cardio session. Puis peut-être faire un petit peu de poids aussi. But yeah, it's your sign to work out, guys. Morning. So cozy morning at home. Matin. Gavé-le. Avec sa bague dans le cou, parce que comme vous savez, moi j'ai ma bague and he has his ring, mais il la porte à cause du travail et tout. Je vais éditer le vlog que je vous ai filmé. On va avoir a chill day at home. On va peut-être aller faire un peu de planche à neige, etc. Moi j'ai vraiment my morning bedhead. Genre, j'ai même pas lavé mon visage encore, guys. Vraiment juste de me lever. Puis comme vous savez, je fais du ski et du snow, puis là aujourd'hui je vais faire du snow.
Puis c'est ça, on a fait du patin hier, on va faire du snow aujourd'hui, puis on va faire la raquette demain. Fait que c'est vraiment un week-end plein air pour nous. Je m'en vais faire de la raquette. On est présentement dimanche. Je me suis levée. J'ai mon petit café. Puis là, je suis en train de faire ma skincare routine. Fait que je mets mon sérum hydratant de Skin Circle. Comme vous savez, it's always, always the same routine. Puis, donc vous allez voir le vlog aujourd'hui en fait. Je suis vraiment en temps réel dans mes vlogs. Puis j'éditais un peu ce matin. Puis j'étais comme, mon dieu, j'étais un petit peu all over the place dans ce vlog là. Mais pour vrai, c'est que au début de la semaine, fait que lundi, j'avais pas de mariage, rien se passait. Puis vendredi, c'est là que j'ai eu l'appel comme quoi il y avait eu une cancellation sur une autre des salles que je m'étais mis à écrire. Parce que moi, j'ai comme quand j'ai su que ça pouvait pas se passer mon mariage, je me suis mis à écrire à plein d'endroits. C'est ça un peu que je vous disais, mais je pense que j'étais tellement dans mes émotions que je relisais mon footage, j'étais comme je pense pas que c'est très clair. Mais je, comme je dis, je vais aller plus en détail, puis je vais vraiment vous donner un peu plus de juicy details dans mon prochain wedding episode. Vous allez me savoir le mois de mon mariage. Enfin, je vais vraiment vous donner plus de détails. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça dans le fond. Le vendredi matin, j'ai reçu un appel d'une des salles que j'avais écrit qui me disait qu'ils ont eu une cancellation pour la même date de mon mariage. Tu sais, c'était quoi les chances? Leur saison est toute bookée. Fait que j'étais vraiment, vraiment comme, tu sais, dans mes émotions là, j'étais là, ok, wow. Puis que justement, c'est une place qui a un permis restaurant et un permis église. Fait que j'ai juste mis toutes les chances de mon côté. Ça se peut que les restaurants soient encore fermés, ça se peut que les églises soient fermées. Mais au moins, je sais que ces permis-là étaient des permis qui étaient acceptés l'été passé. Tandis que les permis banquiers l'été passé étaient aussi fermés. Fait que tu sais, je me suis dit, regarde, je mets toutes les chances de mon côté comme ça. Si je sais que j'ai tout en fait pour que mon wedding puisse se passer. Puis dans le pire des cas, ça va être juste Gab et moi. Parce que pour nous, 25 personnes, en fait, ça inclut même pas genre nos parents avec leurs femmes, avec nos demi-frères, demi-sœurs, avec leurs chums puis leurs blondes. Fait que ce serait peut-être juste Gab et moi, notre père, chacun la titre, là. Tu sais, ça serait vraiment très, très, très intime. Puis on partait en lune de miel quand même. On veut se marier cette date-là quand même. Et là, je me dis que j'ai vraiment comme mis toutes les chances de mon côté. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis, donc c'est ça, dans le prochain épisode que vous allez voir, ça va être le wedding episode. Puis, dans le fond, ça va être, parce qu'on s'en va, là, Gab, il a pris comme quelques congés. On s'en va pour son tuxedo sur mesure. On s'en va goûter notre nouveau menu, parce que là, on change de place, fait qu'on s'entend, c'est comme un autre menu. Faut aller tasting, faut aller choisir. Faut qu'on rencontre notre nouvelle coordonnatrice là-bas. Il faut qu'on, notre décoratrice vienne aussi, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Puis on est quand même dans un délai assez limité quand vous allez apprendre le mois auquel je me marie. Je vais vous dire tout de suite un indice, mais je me marie soit au mois de juin ou au mois de juillet. Donc je vais vous confirmer c'est lequel de ces deux mois-là. Vous me direz si vous avez déjà des prédictions que vous pensez ça va être quand. Mais en fait, nous, notre date de mariage, l'affaire, c'est beaucoup de monde me disait pourquoi tu peux pas changer ta date. C'est que nous, c'est vraiment en fonction de l'horaire de Gabriel qui est déjà très complexe, ok? C'est vraiment compliqué là, comment ça fonctionne pour les résidents, mais t'as un nombre de temps off que tu peux prendre en fonction de la période, en fonction de vraiment beaucoup de facteurs. Fait que Gab, il y avait comme juste un moment dans tout l'été qu'il pouvait prendre 3 semaines de congé ensemble. Fait que nous, c'était ce qu'on voulait pour le wedding et le honeymoon. Fait qu'on part comme 3 semaines. Donc, c'était comme le seul moment. Fait que je peux pas changer ma date. Je peux pas prendre une date au mois de septembre ou une date au mois d'octobre. Moi, ça devait être dans ces deux mois-là. En juin ou en juillet. Puis le mois de juin puis le mois de juillet, c'est en 6 et 7 mois-là. Fait que ça s'en vient vraiment bientôt. Je dois réorganiser un mariage de A à Z dans ce time frame-là. Tout changer comme carrément, là. Tout ce que j'avais planifié à date depuis l'été. Quasiment poubelle, mais pas poubelle, là, mais dans le sens, tu sais, je peux encore garder la même photographe, même vidéographe, même DJ. Pour eux, ça change pas grand chose. C'est juste changer de venue, mais c'est la même date au moins, fait que ça nous sauve déjà ça. Mais comme je vous dis, je vais vous donner plus de détails in the wedding series. Ben, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui est intéressé par du wedding content, mais c'est sûr que that's like my life right now. Je suis comme dans le décompte, là. Quand t'es dans le décompte 6-7 mois, là, c'est là que t'as comme vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai ma robe qui s'en vient, elle va te faire à Milan, elle va arriver au Québec, faut que j'aille faire mon wedding try. Puis
there's a lot of content coming, mais je suis vraiment bonne humeur honnêtement. Là, je m'en vais faire de la raquette, so I'm wearing my sport gear. Puis je me fais souvent demander sur Instagram où est-ce que j'achète mon manteau de ski, ma cagoule de ski, mes vêtements d'extérieur. Je vous jure, j'aimerais vraiment ça qu'ils me sponsorisent parce que j'ai fait juste dépenser là-bas. J'achète tout, tout, tout chez Decathlon. C'est vraiment pas cher au Decathlon. Comme ça, ça m'a coûté 20$. C'est vraiment de qualité. Moi, je trouve que c'est cute là-bas. Qualité, abordable, même mon manteau de snow vient de là, ma capuche, tout Decathlon. Puis je pense que mon manteau que j'ai acheté l'année passée est encore là. Fait que allez voir Decathlon, je vous jure, ça vaut vraiment la peine, ça vaut le détour. Puis je vais vous mettre aussi dans ma bio en bas, vous irez voir tout le temps comme mes links Amazon, où est-ce que j'achète mes trucs. Je vais linker aussi les trucs Doll Kill que je me suis acheté. Puis c'est ça, sur ça, je vais faire de la raquette. I love you guys so much, mettez un thumbs up, j'ai hâte de vous voir dans le prochain Wedding Series. J'ai hâte de voir dans le prochain wedding episode. It's gonna be a good and long one. Fait que merci tellement pour toutes vos belles pensées, vos belles prières, votre belle énergie pour vrai. Je pense que vous savez aucune idée à quel point ça l'impacte ma vie de tous les jours quand je vois vos beaux messages, vos beaux DM. Puis I love you so much, besties. À bientôt!